Bonjour les amis, je vais vous parler de l'histoire des abonnés de YouTube. Il y a tellement de problèmes qui se posent qu'on se raconte autour de cette histoire. Tout le monde est en train de rouspéter pourquoi il perd des abonnés et pourquoi il en a et pour comment, où est-ce qu'il faut chercher des gens qui cherchent, qui ne trouvent pas. Mais est-ce que vraiment ils savent de quoi ils parlent ou bien bon? Moi, j'ai passé 2 jours en train de faire autre chose, mais qui concerne justement ce problème d'abonnés et pas abonnés, ok? Pour ça, je vais vous parler de la clochette blanche. Je vais vous parler de la clochette noire avec 2 traits autour. Ça va enlever beaucoup de brouillard autour déjà de beaucoup de questions qu'on se pose. Maintenant, concernant la correspondance entre vous et les abonnés. Normalement, il y a 5 endroits où vous pouvez trouver tout ça. Et il n'y a aucune ressemblance entre chaque point, entre les 5. Ça, c'est vraiment effarant. YouTube, il n'est pas bien organisé à ce niveau. Donc, il y a la boîte email, il y a les commentaires YouTube, il y a les abonnés récents, il y a la clochette à côté de votre profil YouTube, et il y a la liste sur la colonne à gauche de votre chaîne. Je pense que tout le monde ne maîtrise pas ça. Il y a tellement d'endroits que ça ne peut pas être possible pour qu'on sache qui fait quoi, qui ne fait pas. On s'y perd, ok? Bon, maintenant, je vais vous montrer ça sur capture d'écran pour que ça soit clair chez vous, ok? Allons-y. Bonjour les amis, voilà, je vous ai préparé 2, 3, 4, 5 onglets. Chaque onglet va parler de quelque chose. C'est-à-dire le premier, on va être dans la boîte email. Deuxième, on va être dans les commentaires YouTube à l'intérieur de YouTube. Troisième, c'est les abonnements, les abonnés récents. Quatrième, c'est la clochette externe. Et le cinquième, c'est la liste de la colonne de gauche. On va commencer déjà par mon email. Alors, ça, Gmail. Et je vais découvrir mes emails à moi. Voilà. Donc, je reçois ici 1, 2, 3, 4, 5. Déjà, j'ai 5. De bon matin, j'ai déjà 5 trucs sur YouTube. Tout ça, c'est des trucs sur les abonnements. Alors, je rentre et je trouve quelqu'un qui m'a répondu, bonne vidéo, il a vu la vidéo et tout ça. Mais moi, ce qui me concerne, c'est surtout, ce qui m'intéresse, c'est surtout voir, vous allez voir comment je travaille. Quand je reçois un truc, bonne vidéo, il me répond. Et puis, je vais découvrir ce qu'il a dit. Ma vidéo sort et là, je suis dans ma vidéo là. Ça, c'est ma vidéo. Moi, je m'abonne à ta chaîne. Voilà. Là, je vais descendre et je vais trouver ici commentaire sélectionné. Hein. Vous voyez là, commentaire sélectionné. Et là, bon, il me dit bonne vidéo. Bon, il a aimé tout ça. Bien sûr, j'ai d'autres vidéos, mais c'est pas ça qui me concerne. C'est seulement ça. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Mais je vais cliquer sur Aziz Gaming, ok, parce que je vais lui envoyer un message. Un message, je l'ai préparé. Voilà, je suis abonné et j'ai ma clochette noire avec 2 traits, ce qui veut dire que je suis bien abonné à Aziz Gaming. Et puis, je vais voir sa première vidéo. Sa première vidéo, elle est déjà likée, je sais que je suis déjà passé par là, moi, je le sais. Bien sûr, chez lui, il ne va pas voir ça. Et puis, voilà, ah, qu'est-ce que je vois? Je vois que, bon, vous voulez, je lui ai envoyé ce message, où je dis, où je raconte, vous voulez augmenter bénévolement le nombre de vos abonnés, et j'explique. Et je lui montre la mise à jour des listes des abonnés du lundi. Et là, j'ai une liste
avec des rubriques, chats, clips, c'est rangé par ordre alphabétique, décoration, etc. Et il y a les abonnés qui tous cherchent à s'abonner avec d'autres. Bien sûr, ils vont s'abonner entre eux et puis ils vont s'abonner aussi avec d'autres. Et chacun, il va s'abonner avec les siens et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on va avoir une liste très très longue. Déjà, regardez, déjà, elle est assez longue. Hein. OK? Voilà. C'est sport mécanique, téléphone, tools, voilà. Et ça, c'est la fin. Donc, bon, moi, j'ai déjà envoyé ça. Bon, c'est pas la peine que je lui dise quoi que ce soit parce qu'il a toujours cette histoire. Il faut qu'il s'abonne. Moi, bon, qu'est-ce que je vais faire finalement? Ben, je vais ajouter un petit truc. Hein, voilà, réponse. Est-ce que tu veux t'abonner? Est-ce que tu veux t'abonner? Merci. Ah bon, bien entendu. Merci. Merci. Est-ce que tu veux t'abonner? Ou participer? Tu veux participer? Participe. Participe. Et avec nous, voilà, et je lui renvoie ça. Alors là, c'est pour vous parler des abonnements. Ça m'arrive sur ma boîte email. OK? Et donc, je chasse et je chasse encore. Je retrouve ma boîte email. Je trouve, bon, ça y est, bon. Mission terminée, je renvoie ça. Je jette. Je jette. Je suis dans ma boîte email. Il y a autant d'autres réponses à faire et tout ça. Et normalement, dans ma boîte email, ces gens-là, ce sont mes meilleurs abonnés. Je vais vous montrer encore avec celui-là. Alors, je réponds. Et je vais vous montrer un truc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de tracas autour de cette histoire. Moi, regardez, j'ai cliqué sur ça parce que bon, voilà, regardez, je clique et j'ai une clochette complètement noire avec deux traits, une clochette blanche, une clochette barrée, ou bien carrément. Se désabonner, je peux me désabonner, voilà. Mais moi, je me suis abonné. Quand on clique sur l'abonnement, là, pour la première fois, il sort une clochette blanche. Mais il faut que je clique sur la clochette blanche et que je mette la clochette noire avec deux traits autour. À ce moment-là, je suis abonné à lui. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Puisque je m'abonne à sa chaîne, chaque fois qu'il envoie une vidéo ou n'importe quoi, un commentaire, un like ou n'importe quoi, ça arrive chez moi. Exactement comme ce que vous voyez ici. Ça, c'est sa vidéo, donc elle arrive chez moi. Et elle tombe exactement dans ma boîte email. C'est pour ça que je sais que, ou bien lui, il faut qu'il sache que vraiment, je suis abonné à lui et qu'il n'y a aucun problème. D'accord? On est clair là-dessus. Mais supposons que, bon, lui, moi, j'ai fait la clochette noire, et lui, il me fait la clochette blanche. Ben, si je fais, par exemple, moi, une vidéo comme je suis en train de faire maintenant, je la publie, c'est pas sûr qu'elle arrive chez lui. Vous voyez? Donc, il faut qu'il mette une clochette noire. Voilà. Et là, ça fait énormément de tracas autour des querelles entre les abonnés. Et là, il y a la clochette blanche, il y a la clochette barrée, il y a la clochette noire, il y a complètement des abonnés. Alors, quand on s'abonne, on ne sait pas si de l'autre côté,
l'autre, notre correspondant, il s'abonne à nous. S'il nous s'il s'abonne mal ou il s'abonne pas à nous, on va rien recevoir de lui. Non, il va rien recevoir de nous, pardon. Ok. Je sais pas ce que j'ai dit, mais je répète. Attendez. Si lui, il ne s'abonne pas à moi avec une clochette noire, c'est sûr que il ne va pas recevoir mes productions. Ok, on est clair. D'accord? Voilà. Et là, moi je ne fais confiance qu'à ma boîte email. Bon, moi je vais quitter, je vais revenir à ma boîte email parce que c'est pas encore traité. Donc, les gens qui arrivent ici, je sais que je les reçois, je sais que lui, il doit savoir que j'ai mis la clochette noire, ok? Sinon, je reçois rien. Donc, ce problème est clair. Si vous voulez vraiment ne pas avoir de problème, ne regardez rien d'autre, rien que votre boîte email. C'est là où vous avez des gens dont vous voulez recevoir de la production, et ça arrive chez vous. Et de cette façon-là, quand ça arrive chez vous, même si lui, il a cliqué sur une clochette blanche ou quelque chose comme ça, bon, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de lui envoyer une réponse et vous pouvez lui dire ce que vous voulez. C'est-à-dire que c'est comme s'il était abonné à vous. À ce moment-là, vous entrez avec lui dans la discussion et c'est avec le fil de la discussion que vous pouvez garder le contact avec lui. Je pense que c'est clair. Ok? D'accord. Alors, cette histoire de boîte email, on en a presque terminé. On a dit vraiment le maximum. Mais bon, voilà. Alors, le deuxième. Le deuxième, c'est là, c'est le commentaire YouTube. Alors, c'est difficile cette histoire des abonnés avec YouTube. Parce qu'il faut aller chercher le commentaire de YouTube à l'intérieur de YouTube. Je sais pas pourquoi. Moi, je comprends pas. Alors, il faut aller dans le petit carré là. Il faut chercher YouTube. Et puis, vous allez... Moi, je me suis abonné, je sais pas, ceux qui n'ont pas, par exemple, de TubeBuddy, c'est ça, comment ils se débrouillent, mais moi, j'ai TubeBuddy, je suis abonné à TubeBuddy, je paye quand même une mensualité, c'est pas très cher, mais ça, c'est un outil qui est extraordinaire, il rend service énormément sur beaucoup de choses pour placer votre vidéo, pour enfin, toute la technique, ok? Voilà. Donc, alors, il faut cliquer sur TubeBuddy. Et TubeBuddy, il vous donne un dashboard. Il vous donne le dashboard. C'est un premier dashboard, mais quand on clique sur le dashboard ici, il vous donne autre chose. Une deuxième. Mais il faut aller chercher comment, voilà, commentaire ici. Vous cliquez et vous allez découvrir les commentaires à l'intérieur de YouTube. Je sais pas pourquoi il y a ça. Je sais pas pourquoi. Bon, regardez là, j'ai déjà répondu à énormément de gens ici. Et là, je sais pas, je comprends pas. Dans cette partie là, même ceux qui sont abonnés à vous, vraiment dans la règle de l'art, c'est-à-dire avec une clochette noire, vous ne les trouvez pas ici obligatoirement. Ils ne sont pas tous là. Alors, pourquoi? Je ne comprends pas. Moi, je vous assure, ça me dépasse cette histoire-là. Alors là, bon, je peux répondre, je peux dire ce que je veux. Par exemple, là, il y a des messages, mais je vous assure, je sais, je ne comprends pas pourquoi. Donc, j'ai... Il y a beaucoup de... Je n'ai pas répondu à plusieurs abonnés. Mais je vais le faire. C'est seulement pour vous montrer qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas. C'est pas possible. Et bien entendu, ça correspond... Bon, là, ça correspond à des vidéos que j'ai envoyées. Celui-là, ça concerne ça, et ainsi de suite.
dans tous les vidéos, toutes les vidéos que j'ai envoyées durant presque tout le temps. Mais il n'y a pas tous les bons abonnés ici. Okay? Alors, ça sert à quoi? Ou bien ça arrive dans la boîte d'email, ou bien ça arrive ici. Alors, pourquoi une partie ici, une partie là-bas? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. OK? Donc, il faut répondre dans l'email, il faut répondre dans les commentaires à l'intérieur de YouTube. Et on va passer à l'autre. Bon, je chasse l'intérieur de YouTube et je m'attaque maintenant aux abonnés récents. Ah, c'est une balade. Je vais vous faire une balade à travers YouTube. C'est pas possible. Alors, la même chose. On va chercher YouTube. Et puis, on va découvrir encore notre TubeBuddy. TubeBuddy, je clique ici et je vous ai parlé du dashboard. Le dashboard, il y a une partie ici, mais de présentation générale presque, enfin c'est autre chose. Mais il faut cliquer sur le dashboard pour sortir le dashboard réel. Voilà. Il est là, le dashboard, il parle de, par exemple, moi j'ai 666, la route 666 des États-Unis, la 666 abonnés. Il parle de tableau de bord de la chaîne. Et là, c'est la dernière vidéo que j'ai passée. Et ainsi de suite, dernier commentaire. Même ici, il y a des commentaires, vous vous rendez compte. Alors, ça sert à quoi, ça? Est-ce que... je comprends pas. Je vous assure. Ça, c'est normalement, c'est un sixième truc. Et pas un cinquième. Dernier commentaire, là, il va s'ouvrir. Et puis... Ah oui, c'est vrai, bon, là, ok, d'accord. Il va vous ramener sur plusieurs pistes à la fois. Plusieurs pistes à la fois. Allez, oh, il est où? On revient en arrière. Voilà. OK. Et là, vidéo mise en ligne. Et puis, on arrive à abonnés récents. Voilà. Alors ça, c'est... Je sais pas, ils ont des ingénieurs extraordinaires et tout ça, mais pour faire des trucs comme ça, je sais pas. Là, c'est les abonnés récents. Alors, sur la périodicité, il y a 90 jours, il y a tout, il y a, on est sur 7 jours, si on veut, 28 jours, 90 jours, 365 jours, depuis, moi je vais mettre tout depuis toujours, pour avoir les abonnés. Je clique. Mais là, heureusement qu'il y avait un monsieur qui m'a... avant, j'ai déjà fait une vidéo qui expliquait ça, mais j'ai zappé ça. Et un monsieur gentil, là, qui m'a dit, qui m'a écrit, il m'a dit, non, non, attention, il faut lire ça. Et là, qu'est-ce qu'ils disent? Là, ils disent que seuls les utilisateurs ayant choisi de rendre leur abonnement public sont inclus. En savoir plus. Donc, moi, j'ai 666, mais ici, là, je vais mettre le compteur ou bien le nombre de classements sur combien? Le nombre d'abonnés? Non, le nombre d'abonnés. Alors, où est-ce qu'il est le classement? Voilà. Et là, c'est sur 10. Hein. Moi, je vais augmenter parce que on va trop compter. Hein. Donc, moi, ici, maintenant, j'ai 50, ok? J'ai 50, ok? On va les compter pour voir est-ce que parmi les abonnés, est-ce qu'ils sont tous là, les 666. Voilà, je déroule, voilà, je continue, voilà. Et je trouve quelqu'un qui est abonné récent, mais qui, alors que moi, normalement, quand je m'abonne à quelqu'un, je clique, réellement, je ne rate personne. Ben, il est là, il s'annonce, il veut se montrer et tout ça, mais bon, ben, là, je suis obligé de rectifier. Pourquoi? Personne ne sait. Et bien sûr, quand on veut se désabonner de quelqu'un, pack, et puis terminé.
Voilà, j'ai 50 ici. Déjà, je passe à la deuxième colonne. J'ai 50 autres ici. Oh. 50 autres ici, ça fait 100. Et je passe à la troisième colonne et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. J'ai 134 abonnés que je peux voir, enfin, même le public peut voir. Mos. Le reste, pour reconstituer les 666, on ne les voit pas. OK? Donc, voilà. Ça, c'est YouTube. Maintenant, on va passer à autre chose. J'ai parlé de ça. On est au numéro 4, c'est la clochette externe. On n'est pas encore sorti de l'auberge, hein? La clochette externe, voilà, c'est YouTube. Voilà. Je clique encore sur YouTube. Et ma clochette externe, elle est là. Elle est là. On était à l'intérieur ici. Puis on était sur les commentaires ici. Puis on était sur le tableau de bord ici. Et maintenant, on sort. Tout ça parle des abonnés. Là, regardez, il y a 7 ici, c'est-à-dire qu'il y a déjà 7 qui se présentent que je n'ai pas encore vu. Alors, mais seulement là-dedans, il y a les abonnés qui ont cliqué sur que je reçois dans ma boîte email. C'est des gens qui sont mes abonnés réels, que je peux dont je peux faire confiance, mais il y a d'autres qui ne sont même pas abonnés, que je connais pas. Il y a d'autres qui sont mis abonnés avec clochette blanche et tout ça. Donc, alors là, il y a deux façons de les lire. C'est là où on peut savoir si nous avons ça quelqu'un dans notre boîte email ou pas. Alors, je vais cliquer ici. Je peux pas. Regardez, c'est retour actualiser tout ça. Donc, il faut que je clique tout simplement. Ça, c'est le clic droit. Je clique tout simplement et il me sort ça. Donc, je dois répondre à cet abonné-là, ici. D'ailleurs, ici, il me sort carrément enfin, toute la partie là où il y a du bleu. J'ai répondu à des gens. Mais là, c'est le truc sélectionné, c'est ça. Merci de ton aide. J'ai consulté et je vois quelques abonnés qui sont déjà mes abonnés. Quelle bonne idée d'avoir fait ça. Parce que moi, je propose des abonnés à tout le monde. Et lui, il a déjà identifié des abonnés qui sont avec lui. Et puis, il me dit bon, que c'est une très bonne idée. Voilà. Donc, celui-là, je vais l'introduire dans ma liste aussi. Comme ça, il peut bien sûr frapper à la porte des gens qui sont dans la liste et puis peut aider la communauté pour diffuser l'histoire, enfin, diffuser cette liste à tout le monde. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux exponentiellement. On peut se débrouiller pour avoir de plus en plus d'abonnés beaucoup plus facilement. Vous voyez l'idée. Et puis, bon, pour revenir, sinon on va se perdre, il faut cliquer sur ça pour revenir. Alors, ça, elle aussi, il faut cliquer avec le bouton de droite, de gauche, pour entrer avec la flèche comme on vient de faire. Alors, mais là, je fais ça. Bon, ça, c'est le clic droit. Le clic droit, il me donne, je sors carrément. Je pense que celui-là aussi, ouais, je sors.
Donc ces deux-là, je sais qu'ils sont soit ils sont pas abonnés à moi ou ils sont mal abonnés. Et c'est là où je vais les découvrir ici. Voilà. Et je vais voir est-ce que j'ai été celui-là, voilà. Si j'ai eu j'ai rien avec lui, tiens. J'ai rien avec lui. Je ne sais pas pourquoi c'était arrivé chez moi. Je ne sais pas. Il n'y a aucune espèce de. Rien. Rien. Moi, je suis abonné. Regardez, moi, je suis abonné. C'est pour ça qu'il tombe chez moi. Donc, il vient de s'abonner. Et là, bon, je mets, bon, pour l'aider, je mets un clic, et puis je vais revoir cette information pour la compléter. Et le deuxième, la même chose. La même chose, voilà. Donc, moi, je vais encore donner un like, et puis je reviens. C'est seulement pour vous expliquer. Donc, il y a ici deux façons, soit avec le clic droit pour sortir la solution ici, la traiter ici, ou bien il faut faire le clic droit et sortir pour refaire les choses ici. Toujours concernant les abonnés. Vous voyez? Pourquoi ça? Ils sont éparpillés. Ils sont éparpillés. Et pour chasser ça, il faut cliquer ici. Sinon, ça, c'est ça. Et puis, bon, on a parlé de ça. Voilà. Maintenant, on va voir la liste de la colonne de gauche. Et là, je suis obligé d'entrer dans ma chaîne à moi. Il faut que j'aille la chercher. Pour la chercher, il faut que je rentre ici. Et puis, je mets ma chaîne. Voilà, c'est ma chaîne. Et je vais m'empêcher de parler. Et je viens ici. Qu'est-ce que je vois? Je regarde, il y a accueil, tendance, des informations qui sont un peu, quand même importantes. Et ça, c'est les abonnements. Attendez, je sais pas, j'ai pas vu ça. Je vais regarder ce que c'est. Les abonnements, les abonnements, les abonnements. Ah oui, c'est tous les abonnements que j'ai. Ah oui. Ah, voilà. Voilà. Alors ça, c'est toutes les chaînes auxquelles je suis abonné. Ça, je viens de le découvrir, je vous rassure. Donc, c'est un sixième truc là. Et ça continue. Je suis abonné au moins à 1000, à 1000 comptes hein, sur YouTube. Au moins. Voilà. Donc ici, on peut chercher quelqu'un finalement. Mais bon, ça c'est leur production, hein. Ça n'a pas de, ça n'a rien à voir avec l'histoire des abonnements. Il faut comprendre maintenant les gens qui sont toujours énervés parce qu'ils n'arrivent pas à trouver pourquoi quelqu'un leur dit qu'il est abonné alors que avec la clochette noire et alors que eux ils ne le retrouvent pas. Mais c'est pas ça que je suis venu voir. On a des bibliothèques historiques, vos vidéos, bon je pense que ça c'est mes vidéos, c'est mes vidéos et c'est ma cuisine interne, ça. C'est mes vidéos là où, quand on installe des vidéos, quand on veut par exemple changer quelque chose, on veut voir les statistiques, les commentaires, je pense, voir le. Voilà. Et puis, etc. Je sors parce que c'est autre chose. Et je continue et je trouve ici abonnement. Alors, abonnement là. Voilà, vous lisez ici 986 éléments. Okay. Je clique ici. Ça prend un tout petit peu de temps. Et puis, je vais retrouver
tous mes abonnés, tous les gens auxquels je suis abonné. Tous, sans exception. Même ceux qui sont là depuis des années, si vous voulez. Allez, vas-y. Voilà. Il m'écoute, hein. Il dit, vas-y, s'exécute. Alors, regardez. Tous, ils sont là. Alors, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et ça va directement dans leur chaîne, hein. C'est comme les abonnements en haut, il y a les vidéos. Donc, en haut, on a montré ici, avec toutes les vidéos, c'est ça. Et toutes les vidéos, c'est pas la même chose. Oui, c'est exactement la même chose, mais je me rappelle de ce type-là. Voilà. Alors, pourquoi ici, et encore en haut, et encore là, et encore dans le dashboard, et dans les commentaires, et dans les... Je vous assure, je comprends rien. Ça doit être tellement compliqué chez YouTube pour qu'ils fassent ça. Moi, franchement, qu'est-ce que je ferais à leur place? C'est clair et net. Alors, je vais, par exemple, dans le dashboard ici, n'importe, par exemple, imaginez, je suis là. Je suis là, je vais m'installer. Par exemple, supposons que j'ai ce tableau pour moi. Et je vais le faire exactement comme les sites. C'est-à-dire avec un menu. Et le menu, il va y avoir, par exemple, voilà, c'est un menu ça. Il va y avoir boîte email. Il va y avoir commentaire. C'est la même chose. Non, la boîte email, il y a tout. Les commentaires, c'est là où il y a des commentaires. Les abonnés qui sont visibles et les abonnés qui sont invisibles. L'ensemble de tous les abonnés, aussi bien ceux qui sont dans notre boîte email que qui ne sont pas bien abonnés chez nous. Moi, je pense que la liste, elle s'arrête là. Et puis, je viens ici, je clique, je regarde les emails, je regarde les commentaires, je regarde. Puis, c'est tout. Pourquoi on est éparpillé? Heureusement qu'on ne nous a pas dit que derrière, par exemple, sur mon laptop, là, derrière, il y a d'autres trucs où vous pouvez trouver les Moi, je me suis souvenu de ça. Le truc là, la clochette ici. Et pourquoi il met ça dans une lucarne? Est-ce qu'on est en train de jouer au football ou quoi? Ils sont dingues. Voilà. Ça, c'est malheureusement, c'est vraiment pénible. C'est vraiment pénible. Alors là, je vous demande à tous ceux qui regardent cette vidéo, et qu'il m'explique au moins une chose. S'il y a, je vous remercie de me donner des réponses concernant ça. Parce qu'il y a énormément de monde, je pense que c'est la majorité, peut-être 95% des gens qui ne comprennent pas. Parce que moi, comme je gère, par exemple, je vous ai montré la liste, moi je vais vous la montrer ici avec sur Word. Voilà la liste. Je suis en train de gérer énormément de gens là, c'est énormément. Et puis dernièrement, il y a un type qui m'a rappelé à l'ordre 3 fois pour me dire abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi. Je lui ai envoyé le premier la première réponse, je lui ai envoyé la deuxième réponse, je lui ai envoyé la troisième réponse. Pourquoi? Il a été convaincu parce que j'ai fait une vidéo où je montre justement sur mon écran les abonnés, comment je travaille pour répondre aux abonnés. Et comme par hasard, au moment où moi je faisais cette démonstration, je suis tombé sur sa page, sur sa chaîne.
Et je parlais de lui, voilà, ceci, faites cela. Quand j'ai terminé, je suis allé voir dans ma boîte email, et puis j'ai trouvé les relances, ces relances. Mais j'ai dit, attends, attends, j'ai pris le lien de la vidéo et je lui ai envoyé. Je lui ai dit, regarde entièrement la vidéo pour voir que je suis réellement abonné chez toi. Parce que moi, je ne faisais pas, je tournais la vidéo et je ne jouais pas à la comédie. À un moment donné, je découvre et j'ai parlé de sa cloche, de sa clochette avec deux traits et complètement noir pour leur expliquer aux gens que c'est comme ça qu'il faut faire pour être sûr de recevoir la chose. C'est seulement pour me justifier, moi. Bon, mais les gens, ils sont complètement perdus. Alors, si il y a quelques-uns parmi vous qui comprennent des trucs sur cette histoire-là, je vous en remercie énormément. Parce que quand on va, par exemple, chercher dans YouTube les explications, on n'en finit pas. On entre dans des tartines de textes impossibles. Déjà, c'est très technique, et puis c'est très long, et puis lire sur un écran d'ordinateur, rien n'est facilité pour vraiment arriver à résoudre un problème. Ok? Ben, je pense que ça vous suffit déjà pour comprendre l'essentiel de la chose. Et puis, je vous ai montré où vous pouvez rechercher enfin, toutes les informations qui peuvent vous échapper. Et voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir et au revoir. Merci.